actualité, parce qu'on est vendredi 15 septembre 2023, sixième jour de randonnée dans les Pyrénées. Alors bon, on commence à en avoir un peu plein les jambes. Donc, ce sera une petite balade aujourd'hui, 6 km 200, 300 de dénivelé pour faire le pont d'Espagne et le lac de Gobes, grand classique touristique autour de Cauterets. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas, les autres ont reconnu, nous sommes au parking du pont d'Espagne. Avec Ada, on est accompagné. Voilà, alors une télécabine qui monte, je ne sais plus, en haut vers le clos. Voilà, donc bon, petit aménagement, vous avez des sanitaires et tout. Allez. Ici, c'est le lac de Gobes, où il va servir de station de ski aussi l'hiver, je suppose. Lac de Gobes. C'est parti. Aïe. C'est moi. C'est toi. J'ai écrasé Ada. Ouais. Je veux plus que je l'accompagne. Allez, 300 mètres après le départ, on a le croisement, donc pont d'Espagne par la passerelle 150 mètres. C'est le GR, non c'est pas le GR, on reviendra de par là tout à l'heure. Et là, pour l'instant, on va aller au lac de Gobes par le GR 10, 1h10. Ça va nous faire une boucle. Allez, là-haut. Allez, un petit single pavé. Le jardin, là au départ, il est bien aménagé. Pas le louper. Gros bloc de cailloux. Faut toujours avoir les bonnes chaussures. Sympa. J'ai vu, j'ai pas tout filmé, mais d'énormes arbres. Et donc pour le. Ça grimpe d'entrée en faisant dans ce sens là. Après on. Ouais. Le pont. Très joli là, ce bout de GR10 là. Technique, il y a des cailloux partout. Très sympa. Grosse plaque.
carrière, des plaques rocheuses. Tournez à gauche, il a dit. Ouais. Ouais, ça fait des dalles rocheuses. Oui, là ça doit être glissant quand c'est mouillé. Oh l'arbre, comment ça? Ah oui, c'est déraciné. Ouais, il était posé sur la roche et il a basculé haut. Il est en train de mourir. Il se meurt. Mais, plein de petites originalités. Alors l'œil partout. Un joli petit ballon contrebas, les arbres s'est coupé, mais très joli à l'œil nu, les ruisseaux, des petites mares. Balade. Kilomètre 2. Ouais. Les vaches qui baladent sur le sentier en face. Une randonnée, hein, voilà. Traverser des plaques rocheuses. Impressionnant. Cet arbre, non? Ça fait un pont. Il y a 2-6 par des ruisseaux, des cascades. On va déboucher dans une vallée. Ah bon, on ne va pas être loin du lac. Peut-être sur le replat là-bas, c'est peut-être le lac. Kilomètre 2-8. Le lac de Gob. Ah, très joli. Voilà, on aperçoit tout au bout, torrent, cascade là-bas qui alimente le lac. Et après, par le chemin qui part en face, on peut aller jusqu'aux oulettes, refuge des oulettes de Gob. Tout au bout là-bas, mais pas la destination du jour. Petite sortie tranquille. Allez. Le refuge du lac. Il est grand, hein? Grand lac, la Gob. Tout à l'heure, on est arrivé par le GR 10 là-bas, au refuge. Hop, dernière vue sur le lac de Gob avant de rentrer. Et là, on va repartir direction Pont d'Espagne, parking du Puntas, par un chemin un peu plus large. Ça nous fera une jolie boucle. Hop, une petite boucle de 6 km en balade. Sinon, là, au départ du lac, du coup, on peut aller. Refuge des oulettes de Gob, plus loin, enfin plein d'autres directions pour des sorties beaucoup plus longues. Aïe, du coup on peut profiter de la vue de la petite vallée en bas, tout à l'heure on parle du GR10 qui était sur le vallon en face, mais les arbres on ne voyait pas trop. On a vu surtout le ruisseau dégagé. C'est beau.
On nous dit sur le chemin, attention aux chutes de pierre. Effectivement, il y a un rocher qui se décroche de là-haut. Ça roule, ça roule, ça roule. Et ça peut arriver jusque-là. Oh, le pointu là-bas. Kilomètre 4-3. Ah ben, il y a un belvédère, viens voir. Donc on est en haut du télésiège de Gobe. Donc un quart d'heure du lac sur la gauche. Parmi un belvédère, on va aller voir ce que ça donne. Ah, notre fameux Issar. On appelle ça chamois dans le Ventoux, ça doit être un cousin. Le lys des Pyrénées. Vignemal, une bête de Gobe. Ah, le minimum, il est vraiment en France. Il existe des Pyrénées. Ah, elle en a reconnu. La marmotte. Moi, c'est ce que je veux faire. Allez, le belvédère. Le télésiège. On aperçoit en bas le parking où on est garé. On va retourner. Allez, pour donner un petit peu des noms, donc Paye Relance, La Pointe là, 2274, Pic de la Basse, 2284 là-bas, et à notre gauche, tac, là-bas, Tuc d'Ori Bareil, 2223 mètres. Kilomètre 5, on poursuit notre descente pour retourner au parking par la piste de ski. Ça permet de faire une boucle, c'est moins joli que le GR10 forcément, mais ça permet de faire une boucle et de descendre tranquille. Voilà. On voit de la descente, on devra l'admirer là. D'Espagne et sa cascade pour finir en beauté cette belle petite balade. Ah. Sur un premier ruisseau, et là on arrive à encore une autre cascade. Ah. Je ne vois pas la caméra, mais ça monte, ça fait quarantaine de mètres de haut. Ouais.
du haut du pont. Allez, kilomètre 6800. Donc là, sentier des cascades. Donc l'autre jour, quand on faisait le sentier des cascades, ça m'avait poursuivi jusqu'au bout. On peut venir jusqu'au pont d'Espagne par ce chemin. Voilà. C'est magnifique ce parcours là, ce pont d'Espagne, sa cascade. Superbe. Allez, on va finir tranquillement là, par le chemin aménagé pour retourner au parking du Puntas. Fin de cette jolie balade, c'est très belle. Un petit pont encore.